Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série de l'aventure des 3 femmes. On va peut-être enfin dépasser les amis le million d'euros, c'est énorme, j'espère que ça va vous plaire. Merci encore une fois pour vos 3300 pouces bleus au dernier épisode. C'est des chiffres énormes, mais enfin je sais pas comment vous remercier, c'est juste merci énormément. Les amis, aujourd'hui nouvel épisode, on est parti les amis, juste après l'intro. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de toute la team, salut. 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 Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va et toi? Et vous, n'importe quoi. Donc les amis, dans cette vidéo du coup, on a encore le défi de labourer tous les champs pour avoir du coup 100 animaux gratuits. Pour l'instant, on a que ce défi là, vous avez encore proposé pas mal de choses en commentaire, j'en prendrai pour, les prochains épisodes. Et pour l'instant, il n'y a que celui-là. D'ailleurs, avec qui l'a fait ce défi? Nous. La femme d'Axel. Et, ouais. Kevin, tu l'as fait? Et nous, il nous reste 2 tours à faire, donc c'est comme si c'était. Nous, zéro. 2 tours aussi, mais faut déjà commencer. Faut commencer. Bon, les amis, c'est parti, on se retrouve à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait. Du coup les amis, donc on est dans ma ferme avec Zero. Écoutez, alors les amis, on est à 986 000 euros. On est près du million, vraiment, on va y arriver. Je vais pouvoir mettre un gros titre, on arrive au million. Donc Zero, alors ce qu'on va faire, parce qu'on n'est pas, totalement, et comme on a beaucoup d'achats à faire dans la vidéo, on va d'abord atteindre le million et après on va acheter ce qu'il nous faut. Donc là on a pas mal de laine à vendre et pareil, il y a pas mal de cartons de poules à les vendre. Le problème c'est qu'on n'a pas commencé du tout à faire le défi de labourer tous les champs. On a encore rien fait les amis. Mais donc ce qu'on va faire, on va aller labourer donc du coup le champ qui est ici, comme ça on va pouvoir s'acheter un poulailler. Et du coup même des nouveaux hangars avec un silo aussi, un silage où c'est qu'on va devoir mettre, du coup ce gros tas ici là. Donc du coup alors Zero, ouais, tu décharges les bottes ou pas? Bah du coup on a besoin pour la laine, du coup je pense qu'il y aurait pas une manie pour décharger comme attends, on avait descend, le descend, descend, je vais le faire. Logiquement ouais, mais il faudrait qu'on les décharge dans un endroit potable. Attends, bah là mais au pire on les met par terre et je prendrai la fourche pour Oui si tu veux. Attendez les amis, non attends. Y, voilà c'est bon. Ah oui, j'ai réussi. Bah, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Du coup, donc là c'est bon. On est reparti. Ouais, je crois qu'il y a une rangée de bottes qui a disparu. Donc, on va nourrir aussi les cerfs. On va s'occuper des cerfs, Zero. Enfin, en vrai, que tu le fasses dans la vidéo, ça serait bien. Parce qu'elles sont. J'ai déjà fait l'autre fois en live, je crois. Bah, y'a plus rien. Elles sont toutes vides. Donc, Ah, mais ils ont passé 8 fois le temps aussi. Bah, ouais. Bah, j'avoue, mais au moins on a 986 000 euros. Ah non, il manque que de l'eau. Il manque que de l'eau en fait. On va devoir s'acheter aussi le. Ah, ouais, il y a. Oh mec, il manque de l'eau. Mec, on a avancé trop le temps. Regarde tout ce qu'il y a comme, truc. Les moutons, ils ont tout foutu dehors là. C'est con. Pardon, excuse-moi. Du coup, on va prendre. Ouais, on va charger du coup la paille là. Ah, la laine, pardon. Hop là, on va charger tout ça. Aide-moi à charger. Aide-moi à charger comme ça. Mais non, mais c'est autoload. Ah, oui, c'est vrai, je suis débile. Attends, comment on fait? Sélectionner W, balle ronde, palette mission, non, boîte d'œuf. Si, module. C'est module de coton, non? Peut-être. Ouais, c'est ça. Activement. Non, c'est bien. Moi, t'as module de laine, toi, non? Non, c'est palette. U. Bah, palette. Voilà, c'est bon, c'est palette. Putain, mais heureusement, tu me l'as dit, mec. J'aurais passé une heure à changer tout dans la vidéo. Donc, là, les amis, on est actuellement en train de tourner. Vous savez pas la chaleur qu'il est en train de faire à ce moment-là? Je crois que je suis en train de suer comme. Enfin, bref. Il fait 40 000 degrés. Encore, c'est pas le pire encore. Non, encore, on est en soirée, mais il fait tellement chaud, les amis, c'est ouf. Je sais pas si chez vous il fait chaud aussi, mais c'est ouf, les amis. Le pire, bah du coup, le pire, c'est le jour, c'est que vous allez voir la vidéo, c'est dimanche, ça va être la faute. C'est déjà plein le plateau. Ah ouais, attends, le plateau est déjà plein, mec. Ouais, mais en vrai, il y en aura assez, je pense, pour faire le million d'euros. Du coup, alors, comment on fait? Donc là, pas décharge. Bah, je vais y aller comme ça, au pire. Je vais y aller comme ça. On les vend où pour que ce soit le mieux? Attends, on va essayer d'aller vendre. Bah, tout en bas. La laine, on peut la vendre que en bas, filature. La laine. Ah, ouais, d'accord. Bah, écoutez, je vais y aller. On est parti, let's go. Donc là, alors, les amis, il va falloir que. Donc là, Zero, tu fais quoi là exactement? Donner à boire, prendre mettre de l'eau pour une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a atteint le million, on pourra faire ouais, trop bien, écoute, on est content. Et ensuite, il faudra qu'on s'achète donc une charrue. Pour du coup bah, labourer les champs. On va devoir labourer tous les champs avant de les ressemer. Donc ça, en vrai, ça va nous faire un petit trou au niveau argent. Parce que bah, on va pas faire de culture pendant quelques épisodes. Encore que non, il y a le lait avant. Il y a du lait aussi, à mon avis, avant de mec. Hein. Ah ouais, niveau lait. Ouais, il y a pas mal de soja. Ouais, c'est moi qui tue. Okay. Ouais, il y a du lait, il y a du soja. Bon, non, en vrai, ça va. On commence à être vraiment. Mec, attends, quand je pense qu'on était en galère totale il y a quelques épisodes. Là, on atteint le million. Bon, alors, plus de kuma. C'est aujourd'hui qu'il n'y a plus de kuma. Donc, c'est aujourd'hui aussi qu'on va s'acheter notre moissonneuse. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va être à découvert aussi. Donc, on va avoir le million et on va être à moins zéro. Et on va perdre aussi un million. Mec, ouais, ça va être ça dans la vidéo. Hein. Bon, après, c'est pas grave, c'est le but de la. Ah, mais ça me suffit, c'est pas là la filature. Si, c'est ça, c'est ça. Ah, si, d'accord, parce qu'en fait, le point, il y avait un point qui clignotait en haut, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, c'est pas là, excusez-moi. Excusez-moi, les amis, je fais un demi-tour, je fais un petit peu de roi des hauts à la laine.
Donc ouais, alors les poules, bref, faut qu'on s'occupe des poules. J'aurais pensé s'acheter un nouveau tracteur plus puissant et vendre le John Deere. Parce que le John Deere, en vrai, il est... il commence à être un tracteur un peu pourri, quoi, tu vois. Genre, il est pas ouf. Un 1500 Bah, soit le 1500. Alors, moi j'avais dit, alors, moi j'avais noté vendre le T7, mais plutôt vendre le John Deere contre un 1046 ou un 1050. Donc, du coup, côté Sheffield. Mais on a un tracteur qui est sorti en mode qui est un. C'est un... Non, c'est pas un classe, c'est un merde. Un... Pardon, excusez-moi, un CAS. Un, voilà, un CAS. Non, c'est un CAS. Un CAS. On va pas acheter un Renault pour remplacer un T7. Pardon, c'est bien les Renault, mais quand même. Non, en vrai, à part les Atlas, hein, en vrai, les Atlas ils sont. Bah, lui, on a Atlas au serveur donc. Attends, mais là, je roule n'importe où. Non, c'est là, ok, d'accord. C'est ici normalement. Ah, bah si, en fait, on arrive par l'arrière. Trop stylé. Regardez bien le million, les amis. Les ça amis, va durer quelques secondes. Je vais faire un gros zoom au montage. Vous allez voir le million en gros plan. Alors, attendez, logiquement, c'est là. Attention, le million va arriver. Et encore, faut-il encore que j'oublie pas. Attends, parce que déjà, le million va arriver, mais il faut que je décharge les trucs. Alors, on décharge là et on vend. Non! Pas le million! Mec, rien à foutre, je vais vendre des cartons de poules! Je m'en fous, attends, je laisse le tracteur là, je vais vendre des cartons de poules! Direct, rien à faire! Les poules! Non, une benne, il faut vendre une benne, il me faut le million! Mec, je pensais qu'on arrive au million, on n'est pas arrivé au million! Alors attends, il me faut un tracteur ici! Le silo, il y a des choses dans le silo ou pas? Ouais, il en reste un peu de sous-genre, un peu tu vois, mais prendre ce John Deere, on va le vendre hein, parce qu'il est pas. Mec, la benne le bouge de 3 essieux sur un tracteur de 10 chevaux là, c'est aucun rapport! Mec, on n'est pas au million, fais chier, je pensais qu'on allait y arriver! J'étais en mode, alors là, je vais faire le zoom au montage, je vais être content. Même vous dans le chat, hein, même vous dans, enfin, dans, en regardant la vidéo, vous êtes en. Ah, excusez-moi, mon téléphone fait des. Attends, R, non, je suis pas sur la. Attends, vas-y, mets-toi, logiquement, R. Ok, 47 000 de blé. Attends, 47 000. Mec, on a. Mais attends, on a. Mais mec, on a trop de trucs. Bah, go charger du blé, hein. Go aller vendre du blé. Attends, où c'est que ça se vend le mieux le blé. Le blé. Enfin, pff, on s'en fout un peu, quoi. Attends, le truc à côté, c'est quoi le truc à côté? C'est le moulin à grains. Est-ce que le moulin à grains, ça reste en prix potable? Ouais, non, c'est pas en prix potable du tout. 730, 760. Moulin de la gare. Zéro, tu vas l'amener ou pas, s'il te plaît? Ouais. Tu veux que je. Attends, t'es en train de faire quoi comme ça? Je remplace ce que t'es en train de faire ou pas? Non, attends, bah, faut aller chercher de l'eau du coup. Ouais, je vais chercher un petit peu d'eau du coup, comme ça sera fait. C'est où j'allais y aller? Il faut que t'ailles. Regarde sur la carte, j'ai mis un point, mais regarde sur la carte s'il n'y a pas un truc plus près avec. Enfin, tant que c'est 700 euros, ça suffit. Hein, pas la peine que ce soit non plus un prix énorme. Hein, dans tous les cas, okay. Dans tous les cas, on aura 1 million et 20 000 peut-être. Attends, je passe par où là? N'importe quoi, c'est arrivé. Donc, oui, alors juste à côté. Donc, en fait, juste en face là, les amis, on va essayer de placer. Mais en fait, on va jamais arriver à faire la mission de labourer. À chaque fois, je reporte à chaque fois. On va le faire. Donc là, chercher de l'eau. Ouais, je vais y arriver, chercher de l'eau. Donc oui, donc on est censé, donc le terrain qui est juste derrière nous qu'on a acheté je pense il y a 3-4 épisodes au moins. On a dit bon on va placer ça et ça et ça, mais en fait on a encore rien placé dessus. Mais bah en vrai on s'en sert, ça nous fait des cultures donc au final. Ah ouais le point là-bas, mec il faut que tu fasses le tour de la map hein, je crois. Si le point je le vois il est juste en haut là à côté de la tour. Enfin, ouais mais attends j'ai pas la filature, moi je veux un truc Ouais enfin va où tu veux mais va pas genre à côté là. T'es où? Non, je vais à Moulin de la Gare moi. Ouais, va où tu veux, tant qu'on a le mignon, c'est bon. T'inquiète. Et donc, alors, ouais, il va falloir qu'on s'achète le distiller pour du coup amener le gros tas d'ensilage. On va devoir le déplacer vers le nouveau silo d'ensilage. Ouais. Donc, on va devoir acheter un distiller. Enfin, acheter, bon, ou louer même, il vaut quelques sous. Donc, il vaut quelques euros. Oh, il y a un carton de poule ici, il faudra qu'on le prenne au passage. Je sais pas qui il est, mais maintenant il est à moi. Voilà. Ok, nice. Allez, remplis-toi tout ça. Ah, mais il a resté de l'eau en plus. Il en reste un petit. Ouais, mais il en reste pas énorme. Donc, alors, je vais regarder le matin. En fait, on va se l'acheter bientôt. J'attends que t'aies le million et après, après on a moins 1 million. Ouais, donc, alors, niveau moissonneuse, moi je comptais acheter parce qu'ils ont une classe, ils ont tout ça. Tu savais, le dernier épisode, on en avait vu. Ils ont une CR et une axiale, je crois qu'ils ont. Et donc, moi je comptais acheter la Lexion. Elle vaut 368 000 euros. Ça fait mal, hein, mais il nous faut une moissonneuse qui soit quand même grande. Donc, attends, là, c'est ça. Donc, on a la moissonneuse à 380 000 euros, bon, sans option. Et j'ai pas arrêté de prendre la barre de coupe ni le plateau. Alors, ça va faire mal peut-être quand on va voir le prix. C'est. Ah oui, 40 000 euros la barre de coupe. Ouais, bah, ouais mais tout le temps, il nous faut. Combien de mètres? Elle fait 12 mètres. En vrai, ça va. Ah, 12 mais 12 mètres, ouais. C'est gros, 12 mètres, on a des petits champs, c'est-à-dire. Bah, on va acheter des gros champs. Ouais, mais mec, il nous faut une moissonneuse parce que ça avance. Et on met 6 jours et demi pour moissonner un champ de 3 pommes là. Enfin, 3 pommes, t'as compris? Ouais, ouais. Donc, ouais. T'as compris? ouais. Le mec, il comprend pas mes expressions. Mais... Non, mais voilà, vous avez compris. Donc, en gros, on va essayer d'acheter. Mais c'est le but de la série. Il faut en profiter. On a de l'argent. Voilà, on en a problème. En plus, on s'approche de la fin de la série. Je sais pas encore quand c'est que je vais l'arrêter. J'ai aucune idée de quand. En fait. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je tourne. J'ai trouvé des nouveaux trucs à faire. Il y a toujours des nouveaux trucs à faire en fait. Donc, la fin pour l'instant, elle est pas encore envisagée. Je n'ai aucune idée de combien d'épisodes on est. On doit être, je sais pas, 25, 30, mais au moins 30, je sais pas du tout. Mais je crois, si on comptabilise les vues de la série,
on a fait quoi, 2 millions de vues au moins avec cette série, même plus je crois. Moi je pense plus que ça ferait un peu plus qu'un petit roleplay en vrai. Ouais, en roleplay, mais après en roleplay j'ai moins d'abonnés donc forcément. Enfin, je sais pas, enfin, on essaiera de compter, j'essaierai de compter ça et je vous le dirai. Bon, j'aurais oublié, mais j'essaierai de compter du coup pour le prochain épisode. Bon, alors tu vends? J'y vais, j'arrive. Comment je te parle? La Starry parle mal à sa team KM, franchement, youtubeur 100 000 abonnés déjà. D'ailleurs, bientôt les 136 000 abonnés, c'est ouf, hein, je crois qu'on les aura atteints d'ailleurs. On les aura atteints, je pense. C'est toi qui as acheté quelque chose? Quelqu'un a dû acheter, là, à mon avis. Ouais, ils ont acheté. Ils ont dû acheter quoi? Une troisième moissonneuse? C'est arrivé, j'ai un problème. Oui. En fait, je suis arrivé à la com et j'ai pas emmené la benne, en fait. Non, je rigole. J'avais comment? T'es à pied? Enfin, à pied. Bah, non, mais je rigole. Bah, je préfère que tu rigoles. Ça t'aurait fait le trajet à la. Enfin, je m'en fous, t'aurais fait le trajet, t'aurais fait ça toute la vidéo, mais t'aurais vendu. Donc, logiquement, là, on est bon. Si je fais I, ça remplit. Donc là, même les la côte. J'arrive. Les amis, attends, on va se mettre sur un bon fond. Le million va arriver. Vas-y, le million. Allez, je veux le million. Je vais faire, attends, je monte la côte là, c'est long. Attends, il y a 28 tonnes. Monte la côte. Donc là, niveau dessert, on est bon ou pas? Tu me dis quand tu vas, hein. Comme ça, je regarde. Je suis en mode. Eh ben, j'arrive là dans 2 secondes. Attends, les serres, on en est où là? Non, c'est pas ce côté, c'est l'autre côté, non? C'est où? Elles ont 100% et en gré, il en manque un petit peu, ouais. Au niveau en gros, il en manque un petit peu. T'es prêt? Et là, regardez les millions, c'est rare. Non, mais c'est bon. Vas-y, go, vends! Ouh! What? T'as vendu? Non, j'ai un gros. T'as fait bugger le serveur? T'as fait bugger le serveur? Non, pourquoi ça vend pas? Ça fait quoi là? Eh ben, en fait, ça vide. Comment c'est le chargement? J'ai plus sur I? Ça me bite pas. Alors, au final, c'est une coopérative qu'on va tout le temps. Attends, descends. Il a réussi à faire bugger le jeu. Attends, il a regardé tellement ma chance, ça va marcher chez toi. Mais on a pris quand même 2000 euros, bizarre. Mais c'est bugué de fou. Attends, t'es où, mec? T'as mis trop de vie. Je suis à la en bas. I. Ça marche pas. Mec, mais essaye d'acheter une moisse batte. Je pense qu'en fait. Je pense qu'on a trop d'argent. Non, c'est ça, ouais. Ouais. Mais non, arrête tes conneries, c'est pas possible. Mais y'a un problème. Mais pourquoi on n'arrive pas à vider? M'en fous, je vide autre part. Je vais trouver une autre coopérative. Rien à foutre, je vais rendre plus loin. En face, c'est une autre coopérative. Non, pas la filature. C'est où qu'on peut aller vider autre chose? Là, vas-y. Non, logiquement. Et à grain est. Attends, dis-moi où c'est, je suis ton nom. Ou à port sud-est, à port sud-est. Je veux avoir. Bah, on a le million, je suis content déjà, mais je veux qu'on puisse vendre toute la benne quoi. Dans le chat, vous savez pourquoi ça bug? Enfin, dans le chat, dans les commentaires, c'est pas en live, mais dites-moi, j'ai trop l'habitude de dire en live à chaque fois, enfin dans le chat. C'est bizarre. Filature, non. Ce qu'on peut aller vendre. Merde. Oula. Au fond, c'est pas loin. Vas-y, je vais aller voir. Mais c'est bizarre. Parce que, mec, attends, on est encore à 100%. Donc, non, c'est pas toi qui a vidé. Hein. C'est les cercles qui ont produit. On a gagné 2000 euros dans ce coup. C'est les cercles qui ont produit, je suis sûr. C'est les cercles qui ont produit. Ou l'éolien, ou peu importe. Et oui, parce que ça a apparu d'un coup. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que le million il est apparu d'un coup, c'est pas monté petit à petit comme si tu vidais. Ah ouais. Je suis sûr que c'est ça. Et genre, du coup, ça a apparu. Mais par où toi? À gauche. Attends. Et tu fais quoi, mec? Non, mais t'inquiète, je vais tourner là. J'ai le point sur la carte. Hop, petit tour. Bah, du coup, on a quand même le million. Je suis content. Franchement, imagine le million depuis le temps qu'on essaie d'avoir. En vrai, bon, on aurait pu largement. Merde, j'aurais dû tourner. On aurait pu largement l'avoir, le million, mais c'est juste que on a acheté des choses, on a fait un prêt à la banque, etc. D'ailleurs, le prêt à la banque, on l'a remboursé ou pas? Je crois que oui, il me semble. Non, je crois pas. On a pas remboursé. Ah si, on a dû le faire. On devait le rembourser au bout du premier épisode. C'est là. T'es parti où, mec? Mais non, là c'est la laine. Vas-y, vas-y, viens là. Ah, je me suis trompé en fait. C'est juste à côté. Bon, les amis, l'instant de vérité. Est-ce qu'on va réussir du coup à vider ça? Logiquement, je pense que ça devrait marcher, mais je sais pas pourquoi ça a bloqué. Peut-être que mais non, cependant, ça accepte pas. Mais si ça, jamais ça en a fait ça, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Hein. Peut-être qu'on était mal sur le point, j'en sais rien. Alors, du coup, les amis, on est parti. Moi, je dis, on peut atteindre 1 030 000, 1 040 000. Enfin, ou alors rien du tout. What? Ça marche pas. Mec, y'a un problème là. Je sais pas pourquoi ça marche pas du tout. Mec, c'est bizarre. Hein. Mais achète la moisse batte, non, pourquoi? Mais ouais, attends, je vais acheter un truc. Je vais acheter du coup. Bah, du coup, on va acheter les trucs pour labourer. Donc, alors, un truc pour labourer. Je vais acheter. Enfin, je vais louer. T'as pas un petit screen ou pas? Mais t'inquiète, 1 000 000 d'euros, t'inquiète, je sais enregistrer. Donc, du coup, 130 000 euros. On va louer la charrue, donc celle-là. Donc, on loue la charrue. Elle est un peu grosse, mais on va louer la charrue. Et je vais essayer de revider. Non, ça marche pas. C'est bizarre, pourquoi ça va pas vu. Attends, on est bien admin, y'a pas de soucis. Je sais pas du tout pourquoi. Je n'ai aucune idée pourquoi ça veut pas vider. Hein. Administrateur. Merde, non, ça a aucun rapport ça. Écoutez, pourquoi ça veut pas vider? C'est bizarre, c'est bugué. Bon, bref, au pire, en tous les cas, soit tu laisses la benda, on ira la vider plus tard si ça bug pas. Enfin, peut-être en fait, c'est tout con. À mon avis, c'est un truc tout con, mais on n'arrive pas à vider.
Donc voilà. Alors, donc, enfin, on est où là? On est où? Donc là, c'est pas notre ferme. Là, c'est notre ferme. Donc les serres, elles sont faites, les amis. Il va falloir qu'on, du coup, qu'on commence à labourer. Mais du coup, il nous faut un tracteur. Alors, le problème de la charrue, c'est qu'il nous faut un tracteur de 500 chevaux. Donc, soit on va faire ce qu'on va en profiter. On a 1 000 000 d'euros. On va louer un tracteur qui soit assez puissant. Lui, c'est un. Est-ce qu'on se fait plaisir, les amis? Mec, j'allais nous faire plaisir. Mais attends, plaisir avec toi, c'est 422, chaud. 400, 300. Attends, il est moins cher, lui. Attends, lui, il est encore moins cher. On va prendre lui, 380 chevaux. On va prendre lui. On va se le louer. Combien il vaut? 20 000 euros. Ouais. Bah oui, on va louer. Location, c'est parti. Acheter. Enfin, non, louer. Les amis, je sais, ça fait mal au cul, mais voilà, on a 1 000 000 d'euros. Et j'ai envie de labourer rapidement parce que sinon, ça va être la merde. Donc, t'as pas encore vu ce que j'ai acheté, Thierry, mais tu vas vite faire. Non, tu fais quoi? C'est parti, let's go. Oh, ça fait bizarre. Enfin, on dirait un fan, mais on peut. Mais le volant est bizarre. Ah, le volant est bizarre. Ah, ça fait trop bizarre le volant comme ça. Ok, on va commencer du coup par le champ tout en haut de la map. Et du coup on finira hors vidéo de tout labourer. Là on va commencer un petit peu. Et du coup pour le prochain épisode, si on a fini de labourer tout, on aura du coup 100 animaux gratuits. On pourra du coup s'acheter les bâtiments. Soit même on aura peut-être le temps de l'acheter maintenant. On s'achètera du coup les bâtiments pour les poules et les bâtiments est-ce qu'on fait des vaches en plus du coup putain, je suis désolé, j'ai pas trop de vos commentaires. J'ai vu que vous avez liké comme des fous, vous êtes fait. Mais ça c'est ouf que ça. Ah, 3000 likes, c'est énorme. C'est énorme. En fait, vous faites plus de likes maintenant qu'au début de la série. Après, bon, j'ai plus d'abonnés aussi, mais c'est ouf, ça fait trop plaisir. Donc, du coup, oui, il nous faut. Vous me direz en commentaire si on prend des vaches, et ou alors si on prend. Alors, soit on prend des vaches, soit on prend que des poules. Bon, alors les deux, enfin, vous me dites en commentaire. Moi, je comptais acheter au moins des poules, gros enclos de poules, comme ça fait masse carton. Et bah, je sais pas ce que t'en penses, Giro. Est-ce qu'on prend des vaches aussi? Bah, après, faut le truc qui. Mais les vaches, plus, ça demande beaucoup de travail. Moi, je préfère acheter peut-être des moutons, ça vend les palettes. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est mieux peut-être. Bah, des poules peut-être. Bref, ouais. Faut me dire en commentaire. Mais aussi, vous pouvez. Ouais, je sais ce que vous allez faire. Vous allez marquer en commentaire 1 000 000 d'euros. Vous marquez 1 000 000 d'euros en commentaire parce qu'on en atteint 1 000 000 et c'est ouf. Et voilà, je veux qu'on. Vous marquez 1 000 000 d'euros en commentaire. Tout le monde, faut que tout le monde écrive ça. Comme ça, on fait les 1000 commentaires et c'est trop bien, je suis content. Et la vidéo est référencée, le jeu est toujours plus de vues. On arrive pour le défi star. Yes, du coup ils ont fini de labourer. Donc non, on n'a pas commencé encore. Ah merde, attends, ah mais non, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, c'est vrai qu'elle est un peu grosse cette charrue. Ah non, merde, je me suis coincé. J'ai cassé le matériel qu'il m'aime pas moi. Ouais. Ouais, c'est ça, oui. Donc du coup on a fini le défi. Donc yes, tu veux venir voir ou pas? Bah, ce que je fais, c'est que je viendrai vous voir à la fin de la vidéo, non? Ça sera mieux. Bah, si tu veux. Cette façon, on a fini la parcelle 16 et la 10. Ouais, bah vas-y. Donc, non, mais à la fin de la vidéo, vous montrerez où on regardera ça en vitesse, sa quête. Ouais. Pour l'instant, et ouais. L'Akuma, du coup, on. L'Akuma, on la dégage. Moi, je vais. On se redonne 25% départ ou. Ah, oui, tu veux. Oui. Non, je sais pas. Attends, moi, je compte acheter. Je sais pas, vu qu'à l'époque, on avait payé que 25% de départ. Je sais pas. Bah, moi, je compte pas récupérer la lection. Moi, je suis une nouvelle moissonneuse donc. Oui, bah nous aussi du coup donc. Du coup, bah je sais pas, ça dégage non? Enfin, je sais pas comment tu vas faire. Soit on a un petit peu d'argent, mais c'est un peu bête, c'est pas très. Enfin, je sais pas si c'est réaliste. Ou alors, je sais pas, comme tu veux. Donc, vu qu'à l'époque vous avez payé que 25%, je pense qu'on se redonne que 25% de la part ouais, de la moisson. Ok, et bien on fait ça. Alors, bon. Yes, on fait ça. On fait ça. On fait 25%, juste pour au moins avoir un petit peu d'argent. De toute façon, nous on a le million, donc voilà, maintenant on est ça, on ouais, ça après, tu vois. Ok, bon, bah tout à l'heure. Yes, vas-y, salut. Ouais. Salut. Bon, du coup, parfait, un petit champ. Regardez le petit champ, et du coup, bon, je vais mettre l'ouvrier, il est en train de labourer tranquillement. Oh, ça va tellement vite, par contre. Mais comment ça va hyper vite. Yes. Ça tient pas des coopératives, on essaie de vider la ferme, je crois qu'il y a un truc à cracher, mec. Ah, c'est ça, alors tu penses qu'il déconne? Même plus vider la benne non plus la ferme. Ok, ouais, bah. Je pense qu'il faudra juste redémarrer et puis arrêter, puis voilà, mais on le fera après, quoi, tranquille. Ouais, bah, du coup, ça déconne. Et si je fais CTRL-I. CTRL-I, ça fonctionne, mais ouais, non, bon, bref, on verra. Ça a dû bugger. Bon, bref, on a quand même eu le 1 000 000 d'euros. Vous pouvez tous écrire 1 000 000 d'euros dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Et voilà. Donc là, les amis, ils vont nous passer. Enfin, du coup, on a 25% de la moissonneuse. Donc, je peux tout commencer à faire du tout, puisque l'ancienne moissonneuse, elle est pas très chère, quoi. 310 000 euros. Même pas, non, 130 000. Bon, on aura quoi 20-30 000 euros de plus. On s'en fout, c'est pas le but, je m'en fous de l'argent, de toute façon. Ouais, je vais juste. Bah, là, ça vient là, du coup, moi je vais m'acheter. Donc, bah, là, on va vraiment s'acheter Zero, du coup, la grosse moissonneuse. Hein. On ouais. S'achète carrément. Maintenant. Ah, bah, attends, tu vends l'élection de suite? Ah, bah, non, l'élection, on en fait comment? On en fait quoi là? Bah, elle est pas nous, on verra. De toute façon, elle est. Bah, mais elle est au champ là-bas. Ah, mais moissonne? Bah, en fait, non, depuis l'autre fois, on l'avait arrêté, mais bon, je gère tout là. Donc, attends, on en fait quoi? Mais elle est où? C'est au champ 24. Au champ 24. 24. Ah, ben faut la vider au moins avant. Ah, ouais, faut la vider. Ouais, vas-y, ben là, j'arrive. Ouais, va la vider, comme ça, du coup, je vais acheter la nouvelle moissonneuse.
On va pouvoir commencer à moissonner. Du coup, donc c'est ça, les amis. L'élection 368 000 euros. Ça va faire mal, là. Le million, elle va pas durer longtemps. Ceux qui arrivent, ceux qui commencent le début de la vidéo et qui vont à la fin de la vidéo, ils vont voir 1 million, 0. Voilà, magnifique. Du coup, les logos, plus 20 euros. Ouais, plus 20 euros, on va se prendre un petit logo, quoi. Agravis. Agravis, c'est joli, Agravis. Michelin, parfait, parfait, parfait. Et bon, on est bon, de toute façon, on n'est pas ça près non plus. 372 000 euros, 0. Bah écoute, c'est parti. Acheter. Adieu. Aïe, 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 aïe. Ah, ça a mis long... La transaction a été longue, moi je vous le dis. Et là, du coup, donc, maintenant, la barre de coupe, qui vaut 40 000 euros quand même. Et même le chariot, là, il va falloir un chariot aussi. Hein. Ah, il va falloir un chariot. On a plus, un de... on a plus qu'un, demi... qu'un demi-million, mec. Donc là, le chariot, et. Enfin, le chariot, du coup, on prend quoi en chariot? Est-ce qu'il y a un chariot adapté? Ah, je crois... ah, bah si, il y a lui, je crois. Ou lui. C600, non, C600 c'est pour les petites barres de coupe. Je crois que c'est lui qu'il faut prendre. J'espère que c'est lui. De toute façon, alors, on l'achète, il vaut 6000 euros. Et si c'est pas celui-là, ben on le modifiera de toute façon. Donc voilà. Ok, donc là c'est parti. Mec, c'est bon, on a une moissonneuse. On a atteint le million. Je suis content, mec, je suis trop content. Ouais. On a quand même fait. Mais on peut vendre l'autre si tu veux. Mais elle est pas à nous, de toute façon. C'est eux qui le feront. T'inquiète, ne touche à rien à ça. Tu le mets sur le côté, tu mets tout sur le côté, on s'en fout de toute façon. Vu que c'est la Cuma, donc. Putain, mais il y a trop de véhicules, mec. En fait, le problème, c'est qu'on est tous sous-traitants de certaines fermes, donc en fait, on a. Oula. Ah. Donc, du coup, on a. Bon, on a une moissonneuse qui est en train de voler un peu, mais à part ça, voilà. Attendez, on va juste la mettre là-bas. Hop là. Parfait. Alors, petite lection 780. En vrai, c'est bien. J'espère qu'elle n'est pas buggée. J'espère que c'est pas un mode buggy, par contre. Mais voilà. Bah, du coup, Zero, on a une moissonneuse. On a une moissonneuse en plus. Ouais. Bah, bientôt, bah, du coup, on aura. On aura du coup bah, des nouveaux anglos, logiquement. Bah, soit poule, bah, en poule, c'est certain. On aura un gros emploi à poule dans tous les cas. Mec, je crois que. Attends, mais je crois que le chariot est trop petit, non? Je sais pas s'il est trop petit. Le mec, en vrai, mais je sais même pas dans quel. Je crois que le chariot est trop petit pour la barre de coupe, mec. Hein. Attends, tu fais quoi du coup là? T'es où là? Oh, quoi que non, peut-être ça peut passer. Ah, mais c'est pas le bon, je crois. Non, en vrai, c'est pas le bon. Bon, il va faire l'affaire, mais c'est pas le bon, je crois. S'il y en avait un. Si en a... Mais il n'y a pas. Non, dans le shop, il y en a. Attends, merde. Hop. Je peux là. Je recule un petit peu. Attends, mais je me suis mal mis. Ah. Attends, oh putain, ah bon, elle est buggée. Ah oui, elle est un peu buggée. Quand on recule, ça recule des fois, pas trop. Ouais, c'est bon. Allez, si elle tombe, ça tombe, mais ça devrait faire l'affaire. Direction le petit champ. Est-ce que quand on met les feux, c'est éclairé? Non, c'est pas éclairé. C'était. Non, on a pris le moins cher. Il n'y a pas d'option éclairage dans la cabine. Donc, la nuit, mais moi, ça ne va pas. C'est tout. Alors, oh là là, on doit se reverser 8100 euros au total de la ferme secours. Je vends le matos des bâtiments maintenant ou pas? Attends. Je veux dire, non, vend rien. On fera ça hors vidéo quand tout sera fait. J'espère que. Ah ouais, mais c'est limite là. La barre de coupe, elle est limite. Elle touche presque le broyeur. Donc on verra bien. Si c'est pas le bon, on changera de truc. Hein. Mec, c'est tellement stylé. Enfin, une vraie moissonneuse, Zero. Mec, en vrai, t'imagines. On l'a mérité. Ouais. C'est nous. C'est notre argent, mec. On n'a pas cheaté pour une fois. Mais en vrai, c'est trop cool, mec. Les chevaux, il faut qu'on, absolument que les chevaux, on les vende au prochain épisode. Les chevaux, est-ce que tu peux regarder combien de valeur ils ont? Zero, comment on fait ça, c'est dans l'animal? Bah, tu échappes, tu vas dans animaux, tu regardes les chevaux, il y en a deux, tu regardes la valeur qu'ils ont. Bah, alors il y en a, il vaut 18 773, ah, donc qui et Prince, il vaut 19 599. Ouais, faut les faire courir un max. Bah, du coup, ce qu'on fera, c'est que Zero il fait des lives en général sur sa chaîne de 3 fermes, mais ce qu'il fera, il coûtera courir des chevaux. Je ferai un live 1h30. Ouais, on fait courir les chevaux, sérieux. Non, mais voilà, on fera ça. Et même d'ailleurs, le chariot que t'as acheté dans le champ. À quel champ je vois pas? Bah, le champ là-bas, le champ numéro 13. Ah, okay. Celui que t'es. Donc, alors, oui, 8100 euros. Ah, non, je veux dire, non, pas le million en fait. Non, on est loin du. Mais avant d'atteindre le million, on a... là, les amis, avant d'atteindre le million, va falloir qu'on s'achète tous les bâtiments, qu'on refasse des cultures, qu'on revende de tout. Le million, il est pas encore là. Je suis sûr, on l'aura. On va l'avoir deux fois. On va l'avoir. Mais alors, le problème de la série, enfin, c'est pas un problème, mais du coup, il n'y a pas de but. J'avais pas de but, genre, il n'y a pas d'objectif final. Là, on joue, on fait notre vie, on a de l'argent, c'est cool. Le million d'euros, ben voilà. Mais le problème, c'est que, ben, vu que tout le monde a du matos différent, ben, genre, il y en a certains qui auront plus facilement le million que d'autres. Donc, du coup, il n'y a pas de défi d'argent. Genre, le premier qui a 10 millions d'euros, le premier, 10 millions d'euros, c'est un peu trop, mais voilà, vous avez compris le truc. Alors. Déjà, oh bah du coup, ouais, prochain épisode, tous les champs seront labourés, promis. Et donc, du coup, on pourra s'acheter des nouveaux enclos si on en a assez d'argent, j'espère. On aura du coup 100 animaux gratuits. Bah, en fait, tout le monde aura 100 animaux gratuits, donc au final, ça va, c'est pas non plus cheaté. C'est un peu beaucoup, je trouve, mais comment s'est acheté beaucoup de bâtiments, voilà. Écrase pas les cultures. Mec, la barre de coupe, comme elle est énorme. Mec, elle fait deux fois la taille, au moins deux fois la taille. Mais c'est ouf. L'ancienne barre de coupe, mec, elle est trop bien cette moissonneuse, je suis trop content. Et mec, je suis comme un gamin, mec. Au début de la série, on avait de la merde, on avait une vieille moissonneuse qui avait elle faisait 6,5 cm la barre de coupe là. Et là, c'est parti! Et mec,
Ah non mais attends, du coup bah voilà. Par contre niveau rendement, faudra pulvériser pas mal. Mec c'est trop bien, elle est trop bien cette barre de coupe. Mec je kiffe trop. Regardez ça, magnifique. Là c'est... Ah, ouais le serveur il kiffe pas trop Brand. Le serveur il commence à galérer. Mais bon voilà, ok. Bah Brand j'ai aucune idée combien de temps de vidéo on est. Je sais pas du tout, parce que tout à l'heure on est en train de faire n'importe quoi. Enfin on joue, on parle, on fait n'importe quoi. Donc là ouvrier, c'est parti, ouvrier au max. Bah, en fait, bah, du coup, on va aller voir les fermes des autres personnes. Je sais pas du tout si c'est long ou pas la vidéo. J'aurais voulu commencer à dessiner. On va dessiner. C'est pas grave, l'épisode sera un peu plus long. On va dessiner. On va. Bah, non, dessiner dans quoi? Bah, non, c'est labouré. Donc, on peut. Ah, si. On peut passer les silos en silage. On va placer le silo en silage maintenant, les amis. On va prendre 0. On place en comment? On prend ça en gros. On prend. Moi, je dirais un moyen double. On va essayer de voir. Ah, c'est gros qu'il y a un moyen double. Hein. Vas-y, fais. Alors. Ah, ouais. Ah, oui, effectivement. Est-ce que comme ça, ça peut le faire? Impossible de passer un objet sur un autre. Ah, mais il y a le traiteur qui gêne là. Ok. Bah, une fois, le problème, c'est que du coup, on va placer des bâtiments. Il y aura des bâtiments, donc les vaches ou des poules, donc le long de par ici. Et il y aura une deuxième partie avec bah, du coup du stockage, sûrement. Donc là, dès que le tracteur est parti, on placerait un bâtiment là. Ouais, ça sera du coup l'ensilage. Ouais, en vrai, ça me paraît bien. Après, on verra, on organisera ça un petit peu aussi. De notre côté, bah écoutez, let's go, Zero. Zero, t'es prêt? Je place le bâtiment. Allez, 60 000 euros de moins, on est bien. Bah du coup voilà, le bâtiment est mis. Enfin le bâtiment, le double silo est... Ah. Il y a un petit souci technique aussi. Il va falloir qu'on l'appelle... Ah, bon, on modifiera ça hors vidéo. Ouais, on modifiera ça hors vidéo parce qu'il est un petit peu en hauteur. Ouais, bon, ça on sera en détail les amis, on fera ça plus tard. Donc là l'ouvrier, je vais le laisser labourer. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il laboure. Ouais, on va le laisser labourer les amis. Et alors niveau des animaux, le silo, alors dessileur, on va dessiner ensemble Zero. Donc je prends un petit tracteur qui est à nous. Lequel serait assez puissant pour prendre une dessileuse. Ok, donc du coup les amis on est de retour. Je suis en train de ramener donc le massé avec le plateau. Bah en fait le plateau je vais le laisser dans le champ, comme ça il y aura des bottes à charger. Je vais le laisser ici, comme ça on changera les bottes soit hors vidéo, soit on changera les bottes hors vidéo ou pour le prochain épisode. Moi j'ai une idée de champ qu'on pourra acheter. Bon on n'est pas encore à acheter un nouveau champ parce qu'on est niveau argent, voilà ça va être un peu compliqué. Bon on a 500 000 euros mais comme on a beaucoup d'acheteurs, on a des bâtiments achetés et tout, ça va être un peu compliqué. Donc ce champ là qui est à côté en vrai, je me dis que on pourrait se l'acheter, je sais pas si tu vois le 0, le champ, c'est le 23. C'est un champ qui est à côté 23. De chez nous qui est pas encore à nous, mais il est assez grand et je vois depuis le début de la série. Là, je fais celui-là, on va se l'acheter, c'est obligé. Donc voilà, faut qu'on se l'achète. Alors, moi je vais prendre une benne. Mais du coup, comment on vide la benne? C'est un peu compliqué. Vide la benne. Non, il y a une deuxième benne, non, logiquement, il y a une deuxième benne. Elle est rangée. Ouais, on a une deux bennes, on est bouchée, une deuxième benne. Bon, voilà les amis, du coup, on va s'arrêter là parce qu'au final, j'avais voulu commencer à dessiler, mais du coup, il y a les deux bennes qui sont prises, donc on peut pas les vider dans le silo, donc c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ben, on se retrouvera du coup dans le prochain épisode pour, bah, du coup, on aura fini de tout labourer. Bon, l'ouvrier est un peu con, mais on le remettra. On aura fini de tout labourer, on aura pas mal de stock à vendre, du coup, dans les prochains épisodes, et on ira dessiler, promis dans le prochain épisode, on ira dessiler, donc on transférera tout cet ensilage dans le silo qui est là-bas, et puis on verra bien ce qu'on fera. Il y a encore des cartons à vendre, on a pas mal de choses à faire en tous les cas. On a réussi du coup à atteindre 1 000 000 d'euros, ça c'est ouf. Et du coup, bah, on va aller voir les fermes des autres personnes, voir ce qu'ils ont fait. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Mec, t'es seul ouvrier ce qu'il a fait? Mais fils de p***, va! Putain, il a mis un coup de charbon dans toutes les bottes que j'ai rangées! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une nappe qui conduit. Mais il est bon, ça. Mais regarde-moi ça! Mais regarde-moi ça! Mais regarde-moi ça! L'ouvrier, tu as fait. Putain, mais mec! Mais c'était une femme qui conduisait. C'était pour ça, non? Bon, les amis, du coup, on est dans la ferme de Kevin et Théo qui ont, ouais, du coup, je pense, pas mal bossé dans la vidéo. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez fait dans la vidéo? Alors, on a vendu une benne de 90 tonnes d'orge pour 58 000. 90 tonnes? Ah, mon chef! Ouais, ouais. Niveau compte en banque, 443 826. Ah, vous êtes pas loin de nous? Ouais, ouais, ça va, ok. Et du coup, on a vendu la benne. Enfin, vous avez vendu une benne de 90 tonnes, ouais, parfait. Et ensuite? Ouais. Plus vendu une benne de... Attends, qu'est-ce que tu m'as marqué sur ton... La benne du chêne. Plus vendu la benne du chêne pour 15 tonnes pour 8 900 euros. Ouais, ok. Non, vous avez fait que de la vente dans toute la vidéo, quoi. Oui, on a fait beaucoup de ventes. Ouais, on a fait beaucoup de ventes pendant le off. Ouais, ok, d'accord. Et pas d'autres achats, pas d'autres trucs? Si, nouvel achat de la benne 30 tonnes, Josquin, qui est juste là. Ah oui, d'accord, petite benne Josquin, deux essieux. Ah, vous avez labouré aussi? Ouais, du coup, on a labouré la parcelle 10 et 16 au complet. Vous avez fini tout labouré ou pas? Tout labouré. La première parcelle, elle est là.
Ouais, attends, je suis pas, mais ouais, d'accord, bon, je vois que. Ouais, d'accord. C'est puis il a dit ce que tu connais là-bas, quoi. Ok, d'accord. Bah, ah, ouais, c'est vrai que c'est que deux parcelles, en même temps, c'est pas compliqué, quoi. Oui. Vous avez la 16 et la. 10. Après, c'est 10. Et la 10, ouais, ok, les deux ici, ok, d'accord. Ok, d'accord, mais parfait. Puis tu me vois, je pense, avec 400 000 euros. Ok, ouais. D'accord, parfait. Bah, plus et du coup, ouais, du coup, de niveau moissonneuse, comment tu vas faire? Tu fais comment, toi? Tu t'achètes une nouvelle moissonneuse? Bah, du coup, oui, on va acheter une nouvelle moissonneuse parce que la JD, non, je vais pas la racheter en fin de compte. Une idée? Une petite idée en tête, oui, pour la moisse batte. Mais du coup, privé ou t'attends, tu peux me le dire? Du coup, secret pour le moment. Ah, ok, d'accord, ok, parfait. Bah, écoute, parfait, du coup, on va aller voir la ferme de Axel. Donc, là, les amis, on est dans la ferme du coup de Hugo et Axel. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vidéo? Bon, bah, on a labouré déjà tous les champs. Ok, donc là, défi réussi? Ouais, bah okay. Oui, on a. Bah, du coup, donc voilà, pareil pour Kevin, hein, c'est un animo gratos, enfin, c'est un animo de votre choix gratuit. Alors, on a acheté le nouveau JCB. Ah oui, j'ai pas vu. Un nouveau tracteur. Un JCB, parfait. Combien de chevaux? Ah, j'ai vu ça lagué tout à l'heure. C'est ça qui a un coup de lag. Je me suis dit, ils ont acheté, ils ont fait quoi? Troisième moissonneuse. Ok, d'accord, parfait. Non, JCB, bah, c'est... Pas encore. Parce que tu regardes juste l'intérieur. Mais que peut-être que votre tracteur, c'est un NASA le truc ou quoi? Ouais, mais c'est pour emmener les bennes beaucoup plus vite. Ouais, ouais. Ah, j'avoue, bah, ça vaut 90 km. Non, c'est 70. On a 90. 65. Tu mets des plus gros, ça va plus vite. Comme après, il fait des joints de culasse après. Ah, c'est ça. Ouais, et ensuite. On a acheté deux. On a acheté deux. Ah oui, le 20, ah oui, le 28-29 qui était à nous avant. Et le 20, ah, le 21 aussi. Ah non, ça peut. Non, le 21 okay, c'était okay. Avant. Bah, parfait. Donc du coup, vous avez fait quoi, de la moisson? Un peu de vente ou pas? Vous avez vendu des choses? Ouais, bah, on a vendu. Et beaucoup d'achats aussi, non? Ouais, un peu. Okay, quand même. Ouais. Okay, bah, du coup, les deux champs là, rien que les deux champs là, okay, sont parfait. Nickel. Bah, du coup, on va aller voir un petit peu ma ferme, voir ce qu'on a fait. Et voilà, les amis, on a fait pas mal de choses, donc c'est parti, on va aller voir. Là, les amis, du coup, on est dans ma ferme. Alors, oui, alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est Star Wars, ce silo? Le silo est un petit peu bugué, il y a une légère pente. On modifiera ça, du coup, hors vidéo. L'ouvrier a malencontreusement explosé les bottes de Zero qui étaient chargées ici, qui étaient rangées dans le bâtiment. Il a tout foutu par terre, il a pété un câble, Zero. Ensuite, donc, ce qu'on a fait, on a donc. On a dépassé les millions d'euros, mais ça a bugué, on n'a pas réussi à vider. Je sais pas si vous aussi, vous n'arrivez pas à vider les bennes dans les. Non, c'est impossible. Hein. On peut pas vider les bennes dans les silos, il faudra qu'on redémarre le serveur sûrement. Mais ça ne fonctionne pas, donc c'est bizarre. Et sinon, ce qu'on a fait, donc on a acheté. On a acheté du matos pour, labourer, donc le petit fin de la charrue. Donc là, ça laboure. On a loué et on a acheté du coup une nouvelle moissonneuse qui est en train de moissonner dans le champ derrière. Bah, suivez-moi si vous voulez voir. On a acheté du coup donc c'est la 780 avec la barre de coupe voilà qui fait l'affaire. Donc effectivement ça fait un peu mal mais voilà. Bon mais du coup voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez encore une fois pas de laisser d'un petit pouce bleu, ça fait tellement plaisir. On arrive à chaque fois à plus de 3000 gems, ça fait trop plaisir. Les amis du coup c'est vrai qu'on a des nouveaux défis parce que là on a fait à peu près tous les défis qui étaient déjà proposés. Donc c'est vrai qu'on a des nouveaux défis dans cette série. Vous proposez tout ça en commentaire, vous likez entre vous, comme ça les commentaires qui ont le plus de likes, c'est ce qui vous plaira le mieux. Donc j'essaierai de les prendre pour les prochains épisodes. Voilà, c'était Starview et toute la team. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis rendez-vous du coup dimanche prochain à partir de 17h30. Allez. Ciao tout le monde. Ciao.